Message ça est très important pour tout le monde en général qui fait partie des programmes Biden. En pile update fait. Et nous avons une information qui tombe là, des pour un bénéficiaire qui fait partie des programmes Biden. Ou lui prend 100 à temps pour regarder la vidéo, ça de commencement arrive dans la fin. Une façon pour ne pas rater une seconde dans l'information que nous allons partager ensemble avec vous là. Et sponsor auto. Nous reprenons 100 pour nous garder parce que USCIS a un message non seulement pour bénéficiaires et pour sponsors spécialement. Nous avons salué chaque grand monde qui a regardé la vidéo. Si vous pouvez vous abonner, profitez de faire le coup de la vidéo, posez des questions pour l'espace commentaire. Là, vous finissez la vidéo, nous avons invité à prendre 100 pour partager de tous côtés. Sur tout groupe et sur toute plateforme, bah yon famille, bah yon ami, bah tout moun ki yo konnen, depuis ki yo pense y a bénéficié. J'en nou te annonce ou li nan intro vidéo, mesdames, messieurs, nou gen en pile information pour vous. En pile update fait, et information sa yo, nou pral partager ensemble avec vous là, ou nou pran son pou tande l. Parce que yo important et nécessaire pour tande yo. Chaque information nous pourrons partager avec vous dans la vidéo ça. Nous prenons 100 nous et nous baillons tant nous pour nous faire recherche ça, mesdames, messieurs, et pour nous porter chaque bénéficiaire captant depuis bien longtemps qui peut que j'en joindre une réponse dans main USCIS. Qui sa sponsor doit faire et qui processus pour suivre. Tout le monde qui confirme dans le programme ça, qui ça, moun ça doit faire, et tout le monde en général qui dans le programme, qui respecte les critères USCIS, bayo, qui pas dans food, CBP1, pas confirmé autorisation voyage, qui ça nous doit faire. Pensons nous, pour ne pas rater une seconde, parce que l'information ça est très, très, très important, mesdames, messieurs. Avant de commencer notre cas bénéficiaire, mesdames, messieurs, nous allons partager information sponsor ensemble avec chaque grain de monde qui a des vidéos. Hier, USCIS fait un update qui finit hier soir. Et dans l'update, il y a un pile de modifications qui fait dans le système. C'est ça que je demande à chaque grain bénéficiaire pour prendre 100 pour regarder la vidéo. Et sponsor yo, nous pourrons partager dans le premier temps qui sa sponsor yo USCIS et puis yo fait. Et dans le deuxième temps, nous pourrons partager sa message CBP on ak USCIS vous spécialement pour bénéficier yo dans le moment ça là. Ok. Tout sponsor, qui sa que USCIS m'a dit pour nous faire dans le moment ça là? Mais ça, USCIS m'a des sponsors, c'est vérifier les documents. Assurer que tout document yo soumet yo à jour et complet. Si vous avez une nouvelle information ou soit changement, soumet yo immédiatement. C'est sponsor. Ajouter évidence. Gen en pile dossier là, USCIS m'a dit pour sponsor ajouter évidence là-dedans. Soumet n'importe nouveau document qui ka supporte ka. Ça yo ka inclus document financier moun 2023 qui pa jam fait update sur question mais ça USCIS dit pour montrer capacité sponsor pour supporter moun qui sorti dans programme nan. Preuve relation qui donc faut ou capable montrer relation que ou gagne avec bénéficiaire là pas oublier. Il y a un peu de monde qui paye inscrit ou le revue le bobaye côté priorité. Et un peu de monde, ça, USCIS te gen donné ça dans la main. Il m'a dit preuve relation, tout mesdames, messieurs, pour confirmer relation entre sponsor et bénéficiaire. Document identité. Pour vérifier identité sponsor et assurer que toute information yo à jour. Dans le moment ça là, tout le monde qui est un sponsor est important pour faire ça parce que USCIS m'a dit dans le moment ça là.
spécialement moun ki gen moun yo. Yo mande preuve relation, preuve financier, identité et tout ça que nous société là, yo important c'est nouveau mise à jour, update, nouveau point ki USCIS mande sponsor yo si yo vle fè l. Li pa yon obligation, mais li mande yo gen en pile application ki sou doute. Il m'a des sponsors ça yo pour yo capable faire ça et pour yo capable faciliter bénéficier yo à joindre une chance dans programme là. Maintenant mesdames messieurs, tout sponsor nous tendez ça que nous dit nous là. Nous pour partager information ça ensemble avec toutes bénéficiaires qui dans programme humanitarien parole là. Prends sans nous attend nous pour nous tendre information ça USCIS voye pour nous. Nous songe que nous t'ai partagé un message ensemble avec nous côté nous t'ai montré nous USCIS fait connaître que tout le monde qui confirmé actuellement là puis ta ou y a soumettre information au bail CBP on si vous fait ça vous capable venir ici ou du moins vous capable un message qui dit comme ça pas gain autorisation voyage qui disponible. Et bien mesdames messieurs, USCIS fait un update hier soir et il y a un pile point qui change. Qui ça USCIS dit mesdames messieurs? On va le montrer nous, on va lire pour nous. Les moun fait recevoir approbation USCIS pendant que le programme humanitaire parole Biden la suppose accès BP on pas à bail autorisation voyage dans moment ça. Mais ça yo doit connaître ak ça yo doit faire. C'est ça USCIS ak CBP on voye. USCIS recommandé pour soumettre document yo ak CBP on si ou recevoir approbation yo. Ça a permettre CBP on réviser application ou a préparer dossier ou pour autorisation voyage les programmes nan reprendre. Mais si CBP on pas à bail autorisation voyage pendant pause là, soumettre document yo toujours important pour que application ou rete dans système yo. Tout zami, spécialement zami Brésil qui dit confirmé depuis en 2023, passeport était expiré, si jeune est-ce que il ca soumettre et application yo oui ou capable faire connia là. Parce que dans dernier update qui fait hier soir, gè kek point yo modifié dans dernier jour là, chaque jour gon paquet point cap modifié. Dernièrement yo ti fait connait que ou pa ka soumettre, sou soumettre ou ka venir refus et ou capable venir message dit comme ça que yo pa ba autorisation voyage, mais maintenant yo dit comme ça tout monde qui confirmé yo capable soumettre information yo ba USCIS non premier temps et ba CBP on pour capable rester dans système yo et analyser dossier yo. Si CBP on refuse autorisation voyage ou mesdames messieurs, qui impact refus ça capable gagner. Si CBP on refuse autorisation voyage ou pendant pause là, ça ka affecter capacité ou pour voyager. Cependant, refus ça pas veut dire application ou t'es sorti dans programme là. C'est un problème administratif qui ka résoudre les programmes nan répond ou soit les conditions yo changé. Mais ça USCIS dit si CBP on refuse autorisation voyage wa, ça pa vle di application la retirer dans système yo. Application toujours dans système nan, yo toujours ap analyser l. Li fait konnen que ça c'est un problème administratif, c'est un problème qui sorti en dans CBP on même dans système yo. Parce que dans moment pose ça la mesdames messieurs, son moment observation analyse dossier yo. Yo capable retracer dossier sa suspect, gen quelques informations qui yo trouvé que qui pas tellement correct, c'est ça que fait. C'est BP on mandé pour sponsor yo faire ça sam sou di ça là, pour sponsor yo faire. Montrer preuve que ou gen qui sa relation que ou gen avec bénéficiaire là, ajouter plus on prend évidence financière toute bagaille ça yo, c'est ça que fait les di ça là. Éliminer autorisation voyage ou pas le dire ou pas dans système yo encore. Application toujours dans système non,
yo toujours à analyser comme ça que ou capable yo rebon autorisation après pause là comme ça tout si que yo trouvé que était gonbara qui louche ou capable venir du tout c'est ça que yo fait qu'on est là pour bénéficier yo mesdames messieurs qui vraiment important pour moun qui fait recevoir confirmation yo pendant pause là les important pour yo soumettre document yo à CBP One même si autorisation voyage pas à bail dans moment ça continue suivre application fait USCIS qui donc partie biographie dans USCIS et soumettre document yo avec CBP One c'est ça que USCIS et CBP One fait connait mesdames messieurs qui vraiment important pour me partager information ça ensemble avec nous chaque grand monde qui attend là qui confirme qui pas de soumettre information yo ou capable soumettre yo et chaque grand monde qui te une autorisation voyage yo yo un refus USCIS fait connait que son problème administratif yo toujours dans système là il a analysé dossier il a plus est-ce que yo te gen raison pour te bon refia ou du moins est-ce que ou pas de raison si pas de raison après pause ou capable reba ou encore yo confirme après pause là si pas pendant programme nan sous pause là moi je crois que tout moun kap tandim là nous comprendre m'a mande nous si nous beaucoup abonné profiter fel pour capable rester toujours connecté de tout ça qui a passé à la une concernant des programmes humanitaires par ça pour pas baiter tout problème parce que ici à la n'a chercher pour information qui fiable qui sont des bonnes sources pour nous capable porter ba ou m'espère chaque grand monde qui attend là nous comprendre moins merci avec nous toutes et nous chaque grand fanatique famille et amis qui toujours supporter plateforme ça ou capable toujours encourager nous les qui ou prend un abonnement bye bye à la prochaine dans une autre vidéo encore.